Ouvrez le moteur, ouvrez le moteur. Monsieur, chef, vous n'avez pas photo de grand quelqu'un chez vous? Vous ne voyez pas mes babes? Tu oses encore me parler comme ça? Tu parles à un agent qui est dans l'exercice de ses fonctions comme ça? Oh chef, ne vous fâchez pas. Ce que tu viens de dire là, je peux t'enfermer facilement. Ne vous fâchez pas. Bon, je vous dois combien? Tu ne me dois rien. Où est ton casque? Je sais que je n'ai pas porté le casque, c'est pourquoi je vous demande, je vous dois combien? Tu me dois combien? Tu n'as pas porté le casque et c'est toi qui oses me demander je veux combien? Tu veux me corrompre? D'ailleurs là, dis-moi, ce n'est pas toi le grand frère de Nafisa? Non, je suis son père. Nafisa, elle est ma fille. Ah ouais! Donc c'était toi le papa qui me roulait comme ça. C'était moi son ex. C'était toi qui venais là? Oui, c'était moi. Oh, j'ai oublié. Comme on a pris d'autres de dernière fois là, j'ai oublié. Ça va? Donc tu étais policier? Je suis policier? Je ne savais pas. Donc, ah, comme ça tombe bien alors, donne-moi ma clé alors. Dis-moi, vous avez pris d'autres? On a pris d'autres récemment maintenant. Donc vous m'avez arraché la fille pour donner. Parce que tu n'avais pas amené ce qu'on avait demandé. D'accord. Tu m'avais demandé combien je voulais, non? Que tu me dois combien? Oui. Tu sais, l'infraction que tu viens de commettre là, ça fait 150 000. D'accord. Sans les papiers, sans les papiers, t'es sans. Moi, je veux marier femme chez vous. C'est son nouveau mari qui a payé la moto. C'est son nouveau mari, non? Oui. La moto là est confisquée. D'office. Chef, calme. Non, ce qu'on va faire. Il n'y a plus rien à faire. Tu viens comme Zania. Chef, pardon. Moi, je veux la femme. Ce qu'on va faire là. Il n'y a rien à faire. Chef, calmez-vous. Ok. On va s'arranger. C'est ce que moi-même je veux. Ok. Il faut qu'on s'arrange. Ok. On peut trouver un arrangement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arracher la fille de l'autre monsieur. Vous allez me donner ça. Non. La personne m'a payé moto. Calmez-vous. On dirait que tu n'aimes pas la moto. Ce que nous allons faire, quoi? Je vous donne l'argent. Vous voulez quoi? Vous voulez combien? Je vous donne l'argent. Il faut oublier la moto. Oublie la moto. Tu me connais pas. Allons, comme ça, on va régler ça au conseillère. Attends, voilà même un policier. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un vrai voleur, quoi. Et arrêtez de me parler comme ça. Je suis ton client. Arrêtez-vous. Calmez-vous là. Taisez-vous. Vous voyez un agent et vous continuez de crier. Excusez-nous, nous sommes à la couronne ici. On peut régler ça à la biable. Tu sais qu'on peut régler ça à la biable. On va régler ça. Vous pouvez régler ça entre nous. Je suis ton client. Ce que vous avez dit, je peux vous enfermer. Chef, calmez, on va régler ça. Chef, on va régler ça à la biable, s'il vous plaît. Allons régler ça à la biable. Non, chef, maintenant que je suis là, je vais régler à la biable. Moi, je ne veux pas gérer à la biable. Qu'est-ce qui se passe? Attendez-vous. On se calme. C'est quoi? Excusez-moi. Vous ne respectez pas la sécurité? Excusez-moi. Il n'y a qu'un souci. Pense à ce qu'on veut faire maintenant. N'oublie pas qu'on peut régler monsieur, ça. Monsieur, je suis pas ton frère. Calmez-vous. Chef, calmez-vous. Sinon, je peux vous embarquer directement comme Zaria. Ça, il faut l'embarquer même. Toi, tu t'es. Excusez-moi. Tu te tais. Excusez-moi, chef. Je ne sais pas tout. On règle. Monsieur. Chef, calmez-vous. D'appeler le commissaire. Excusez-moi, chef. Excusez-moi. Ça, c'est calme même, c'est ça. Zaria en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Chef. Mon frère, pense à ce que tu veux dire. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. C'est un voleur. Mon frère, pense à ce que tu veux faire. Si tu ouvres encore ta bouche. Chef, calme, excusez-moi. Je t'en bats directement. Excusez-moi, chef. Excusez-moi. Je t'écoute, chef. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Monsieur. Chef, je dis. Parle-moi. Chef. Si tu oses parler encore, j'appelle le commissariat directement. Ça. Je vois déjà qu'il est un vrai voleur. Excusez-moi. Je vous le disais, ce monsieur-là, c'est un vrai voleur. Il est venu acheter chez moi. Il m'a remis un faux billet. Chef, un faux billet. En fait, moi-même, j'ai fait un retrait, ils m'ont remis un faux billet. C'est un faux billet? Oui, chef. Donc, tu oses donner faux billet aux gens? Chef, moi-même, j'ai fait un retrait, ils m'ont remis ça. C'est faux. Chef, nous prenons en bac. Chef, attendez. On va comme ça, même ça. Chef, attendez. On attend quoi? Demandez-lui. Demandez-lui. J'ai payé quoi chez lui? Demandez-lui, j'ai payé quoi chez lui? Il a acheté chez moi? Il a acheté chez moi? Qu'est-ce qu'il a payé chez toi? Il a acheté chez moi? Qu'est-ce que j'ai payé chez toi? Il a acheté, il m'a remis faux billet. Dis ce que je t'ai payé. J'ai payé chez toi, non? J'ai payé. Mais tu as acheté, tu reconnais que tu as acheté chez moi, non? Je sais que j'ai payé chez toi. Tu as payé quoi chez lui? Lui, il n'a qu'à dire ce que j'ai payé chez lui. Il vous tout vend quoi? Chef, calmez-vous. Parlez vite. Je vends de l'herbe, chef. Tu vends quoi? De l'herbe. Donc, c'est nous, les deux là. On est vendu. Tu utilises faux billet pour acheter de l'herbe. Vous êtes tous des criminels. Allez! Montez! Mais chef, c'est moi, je l'ai emmené! Montez! C'est moi qui l'a connu la moto, on est là! Monte! Ah
embarque le chef. Je vous embarque. Vous deux. Je vous embarque par deux. Alors comme vous allez. On te dit c'est pas tout on dit. Mais merci pour rien. On dit devant. Les deux. On te dit c'est pas tout on dit devant un policier. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui. On va au commissariat. Je voulais pas de casque.